J'ai entendu qu'au niveau du pouvoir, ils ne veulent pas céder. Ils ont dit qu'ils ne vont pas, ils n'ont jamais cédé devant leur adversaire. C'est ce qu'ils ont dit. J'étais à leur formation là. Ils disent qu'ils ne veulent pas céder devant leur adversaire. À votre niveau, face à une telle décision, que comptez-vous faire? Mais écoutez, tout le monde sait que le pouvoir est dans l'erreur, que la position du pouvoir est aux antipodes des aspirations profondes des Togolais, que nous portons. Et donc, si le pouvoir ne veut pas céder, ce n'est pas le peuple qui cède. Et le peuple pourra le déçu. C'est une occasion que je saisis pour lancer un appel à la CEDEAO. Le processus de règlement des crises est en souffrance. La CEDEAO a pris la responsabilité d'aider à régler la crise à la CEDEAO. Pour que, au moment où il faut des décisions fermes soient prises, c'est l'avenir de 7 millions, de plus de 7 millions d'âmes qui est en jeu.